Pour moi, la Corrèze, elle est riche, elle est variée, haute, moyenne, basse Corrèze, mais elle est une. Et on doit apprendre à travailler ensemble pour soutenir les projets et le programme de François Hollande et monter un programme uni ensemble. Alors, il y a des questions internautes, ce soir qui arrivent. Hein. On a beaucoup parlé de l'effet Hollande. Là, on commence déjà à rentrer dans le concret avec les questions des internautes. Un briviste qui se présente comme tel, laisserez-vous le tribunal à Brive? Donc là, c'est vraiment question concrète, très directe. La justice, selon François Hollande, ce n'est pas prendre aux uns pour donner aux autres. Ça, c'était le gouvernement précédent qui a supprimé le tribunal à Tulle. On est aujourd'hui dans le seul département où la ville-préfecture n'a pas de tribunal. Donc, on va en remettre un à Tulle, mais bien évidemment le laisser à Brive, parce qu'il a son rôle et son utilité. Deux députés PS élus en Corrèze ce soir, vous et Philippe Noche, est-ce que ça permettra de faire avancer les dossiers corréziens plus rapidement à l'Assemblée, au niveau national ? J'espère bien. Puis comment on va avancer au coude à coude, travailler ensemble, avec en plus Bernard Combes qui a été désigné par le président de la République pour aussi porter un certain nombre d'autres dossiers. Je pense que les dossiers de la Corrèze avanceront bien et que la Corrèze doit être exemplaire.